peuple congolais, fidèles téléspectateurs des Congo Live Télévision, de partout où vous nous recevez. Nous sommes encore là pour vous accompagner, pour vous donner les nouvelles, parce que nous sommes en train de finir cette semaine, mesdames et messieurs, avec justement les fronts qui sont signalés dans le nord du territoire de Rutshuru. Il y a aussi le territoire de Lubero, la porte d'entrée de ce territoire qui est aussi secouée par les envies de l'ennemi, l'ennemi qui veut aussi entrer dans nos bureaux. Et heureusement, il y a les forces armées de la République démocratique du Congo qui ne cessent aussi de les bloquer. Mesdames et messieurs, en dépit de tout ça, la voie diplomatique, une fois de plus, il y a des nouvelles concernant les processus de Luanda, João Lourenço, qui s'exprime justement sur ces points. Mais il y a aussi des conditions que Kinshasa ne cesse aussi de présenter, de mettre sur la table avant toute rencontre avec Paul Kagame. Que doit-on retenir de tout ça? Pour commencer, mesdames et messieurs, allons dans le nord du territoire de Rutshuru, où ça se passe, beaucoup de choses, ça bouge sur les lignes de front. Des violents combats opposent déjà, depuis le vendredi, dans la matinée, les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Wazalendo, ils font face à la coalition RDF-M23. Mesdames et messieurs, c'est aux alentours de Kanyabayonga. Kanyabayonga qui a été aussi secoué par les tirs de l'ennemi. L'ennemi n'a pas hésité pour tirer des bombes dans Kanyabayonga. Toute la semaine, des victimes ont été une fois de plus signalées côté population. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on continue toujours à vous montrer, ce qu'on continue toujours à vous donner, parce qu'à un certain moment, l'ennemi, lui, quand il est toujours en difficulté, quand il a du mal à avancer, il tire toujours des bombes pour couper tout mariage qui existe entre la population et son armée. Et voilà, c'est ce qu'ils ont fait encore une fois. Mais en plus justement de toutes ces victimes enregistrées, nous pouvons aussi vous rassurer, mesdames et messieurs, que les FRDC n'abandonnent pas, les FRDC ne donnent même pas un petit centimètre à l'ennemi pour qu'il se rapproche une fois de plus de Kanyabayonga. Il est conscient de tout ça, voilà pourquoi il veut contourner les positions des FRDC. Et pour y arriver, il s'est vite retrouvé à la porte, dans une autre porte d'entrée pour aussi s'agiger le territoire des Kanyabayu, des Lubero, voilà Lubero, et en voulant justement piétiner Miriki. Depuis le jeudi, il y a eu des affrontements, mesdames et messieurs, qui ont été signalés entre les FARDC et les rebelles du M23. Alors, comme c'était une surprise, l'ennemi a essayé un peu de contourner les positions des FARDC. Et c'est dans ce sens, mesdames et messieurs, qu'il a eu la possibilité d'occuper une localité. Là, on est en tout cas très sincère par rapport à ça. C'était le vendredi où les rebelles ont pris la localité de Kamaka. Kamaka, c'est dans le territoire de Lubero. Cette localité a été prise par, a été, disons, contrôlée maintenant là par les rebelles RDF-M23. Mais ça ne veut pas dire que les FRDC ne sont pas en train de mener les offensives. Parce qu'au moment où je suis en train de vous parler, les fronts continuent autour de cette localité. Les FRDC veulent encore une fois récupérer, prendre le contrôle de cette localité. Alors, la réalité qui est là, mesdames et messieurs, c'est que pendant tout ce temps, il y a des localités, plusieurs localités, je vous assure, n'étaient même pas occupées par les FRDC. Pourquoi on peut le dire comme ça? Ça fait des années et des années que l'autorité de l'État n'existe pas dans certaines localités. Et avec ça, l'ennemi essaie un peu de profiter de cette faiblesse, l'absence de l'autorité de l'État, pour venir prendre des localités. Parce que là où l'ennemi a pris la localité de Kamaka, il n'y avait pas une forte présence des FRDC. Il y avait seulement quelques militaires et peu de policiers qui étaient là-bas pour marquer la présence de l'autorité de l'État. Alors, c'est pas ce petit nombre de militaires et de policiers qui allaient aussi nous permettre, voilà, de stopper l'avancée des rebelles vers la localité de Kamaka. Et voilà, mesdames et messieurs, cette localité a été récupérée sans qu'il y ait des combats aussi intenses. Mais les FARDC se rendant compte de l'avancée de l'ennemi, ont renforcé aussi
De ce côté-là, il y a eu beaucoup de militaires qui sont venus. Et voilà, mesdames et messieurs, nous espérons qu'ils vont encore déloger les rebelles. Parce qu'avec ces jeux de cache-cache, nous n'en voulons plus. Et je crois que les FARDC, parce qu'il y a même des militaires qui disent, prêts à faire du mal, disons, à éliminer les militaires rwandais qui se sont emparés de cette localité. C'est comme ça que ça se passe. Donc, nous sommes en train de suivre toujours la situation et nous espérons que ça va beaucoup plus changer. Mais Kanyabayonga n'est pas aussi occupé et l'ennemi n'avance toujours pas. Il était à plus de, on l'a repoussé à plus de 15 km et jusque-là, il n'a pas réduit l'écart qui existe entre lui et les forces armées de la République démocratique du Congo, y compris les Wazalendo. Parce que cette localité que les M23 RDF viennent d'occuper, c'est une localité qui n'est pas aussi très habitée. Donc à tout moment, les FARDC ne vont pas hésiter, ou les M23 RDF ne prendront pas, ils n'auront pas même une population qu'ils vont considérer comme étant un otage. Voilà pourquoi les FARDC ne vont pas hésiter pour bombarder. Parce qu'il y a des détonations qui sont signalées dans toute cette région en armes lourdes et légères. Les FARDC bombardent en tout cas d'une manière aussi efficace les positions de l'ennemi. Et c'est comme ça que vous allez apprendre que l'ennemi est délogé. Vous allez apprendre que l'ennemi est repoussé. Si pas repoussé, anéanti, il va encore enregistrer des pertes énormes dans ses rangs. C'est comme ça que ça continue. Parce qu'avec tout ça, mesdames et messieurs, comme j'étais toujours en train de vous le dire, nous devons rester beaucoup plus très attentifs. Parce qu'à tout moment, dans toute cette région, l'ennemi va toujours passer par des débordements. C'est comme ça qu'il a fait. Incapable de prendre Sake, il a débordé pour aller récupérer quelques entités dans le territoire de Kalehe, en province du Sud-Kivu. Il avait même pris une localité, je me rappelle bien. Et cette localité, l'ennemi n'avait même pas fait 24 heures. Lui-même avait compris que c'était un piège. Et facilement, il s'est retrouvé aussi contourné par les militaires FARDC. Et voilà pourquoi il a trouvé un petit chemin jusqu'à ce qu'il a abandonné, sans pour autant qu'il soit forcé, cette localité. Et c'est pour cela qu'on ne parle pas de M23 RDF à Rutshuru, disons, à Kalehe ou disons dans d'autres entités dans la province du Sud-Kivu, bien qu'il voulait aussi déborder. Et c'est comme ça aujourd'hui, les choses sont en train d'évoluer. Pourquoi? Parce que les fronts sud n'est pas beaucoup plus très actifs et les rebelles du M23 n'avancent plus. Ils se sont pris encore une fois aux militaires de la SADC. Ils ont bombardé les camps des militaires de la SADC, les camps justement. Et pourtant, il y a les militaires qui sont en face de lui sur les lignes de front. Mais il n'a pas eu cette possibilité de les frapper sur les lignes de front, mais il a tiré des bombes directement dans les camps des militaires au niveau des près de Sake, voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors, dans d'autres entités, ils procèdent aussi par des tirs en bombardant les camps des déplacés. Donc aujourd'hui, il y a nécessité, mesdames et messieurs, de prendre aussi beaucoup de courage, avoir beaucoup de courage. Et là, c'est surtout les FARDC et non Wazalendo. Parce que moi, j'ai toujours dit, cette guerre, mesdames et messieurs, on peut perdre une bataille, mais la guerre, non. Là, on ne peut pas accepter de perdre cette guerre. Voilà pourquoi nous sommes en train d'enregistrer toujours des prouesses. Aujourd'hui, l'ennemi est en difficulté. J'ai vu une correspondance de Corneille Nangaa qu'il a adressée au secrétaire général des Nations Unies depuis New York, où il est en train de démontrer la situation sécuritaire, disant que les FARDC et les FDLR sont en train de procéder par des exactions et il n'a même pas la possibilité de montrer les preuves de tout ce qu'il est en train d'affirmer dans sa correspondance. Voilà pourquoi aujourd'hui, il veut créer une autre diversion. Parce qu'aujourd'hui, les M23, les rapports des Nations Unies, les experts des Nations Unies ont produit des rapports où on peut trouver les exactions commises par les M23. Ils ont tué des civils à Rutshuru, ils ont tué des civils à Masisi, voire même à Nyiragongo. Et tout ça, c'est documenté. C'est pour cela qu'il avait anticipé pour produire, disons, avec une lettre pour contrer ou disons, pour contredire les rapports des experts des Nations Unies. C'est un jeu et nous connaissons tous comment est-ce qu'il est en train de procéder. Donc aujourd'hui, il ne faut pas céder, mesdames et messieurs, à toutes les caprices de nos envahisseurs. Tantôt c'est Paul Kagame qui vient avec des déclarations bidons. Tantôt c'est Corneille Nangaa qui vient aussi avec des correspondances
qui ne tiennent pas debout, c'est pour justement distraire l'opinion nationale et internationale. Et moi, je suis en train de vous dire, ça ne doit pas passer. Donc, avec cette situation, il y a lieu aujourd'hui de trop se focaliser sur l'objectif final. L'objectif final est d'en découdre ou d'en finir une fois pour toutes avec le RDF sur le sol congolais. Pour y arriver, ça passe par une efficacité sur toutes les lignes de front avec les FRDC et les Wazalendo. Et vous-même, vous êtes en train de les voir comment est-ce qu'ils sont en train de les faire. Alors, mesdames et messieurs, quand il y a des prouesses, c'est toujours à ce moment-là, quand les FRDC font des avancées, qu'il y a la diplomatie qui s'interpose encore une fois. João Lourenço nous parle de, pour parler aux zones de discussion et voir comment est-ce que Kagame et Tshisekedi vont se rencontrer. Nous le voulons bien, mais il y a des conditions que Kinshasa ne cesse de présenter. Et toutes ces conditions, mesdames et messieurs, nous amènent à un cessez-le-feu obligatoire sur les lignes de front. Quand je parle d'un cessez-le-feu, c'est dans quelle démarche? C'est que nous devons voir les militaires rwandais, tous les militaires rwandais qui sont sur le sol congolais, quitter toutes les zones qu'ils occupent aujourd'hui et rentrer chez eux au Rwanda. Là, on peut maintenant discuter. Et si une fois les militaires rwandais quittent les zones qu'ils occupent, les FRDC n'auront pas de militaires en face d'eux, n'auront pas des adversaires en face d'eux. Non, les FRDC et les Wazalendo. Il ne faut pas oublier les Wazalendo parce qu'ils font un travail titanesque. Les Wazalendo et les FRDC n'auront pas des adversaires devant eux. Je répète encore une fois. Ça va se passer beaucoup plus dans une logique ou disons dans un contexte où il n'y aura plus de belligérants sur les lignes de front. Et on ne va même pas parler. Les FRDC vont rester là juste pour protéger les territoires nationaux. Parce que les militaires, tout ce que vous voyez avec les M23, ce sont les militaires rwandais. Les M23 n'ont pas des effectifs pour occuper les zones et les contrôler, ou voire même mener les offensives contre les FRDC sur d'autres positions. Ça ne s'explique même pas. Voilà pourquoi, avec la présence des militaires rwandais, ça fait à ce que nous puissions observer tout ça. Mais ils peuvent encore accepter cette condition tout en changeant seulement de tenue. Et là, ils vont nous dire, non, ce ne sont plus nos militaires. Ce sont les M23. Mais je vous assure, les M23 n'ont pas un effectif même de 2000 militaires, de 2000 soldats. Ils n'en ont pas. Mais tout ce que vous voyez, c'est pléthore de militaires, c'est avec les militaires rwandais. Et d'où, mesdames et messieurs, parce que s'ils ne veulent pas aussi céder à cette demande de Kinshasa, on va continuer avec les fronts. On va continuer avec les fronts. Et c'est eux qui seront toujours là en train d'enregistrer des pertes. Parce que ça fait 3 mois qu'ils ne résistent pas à la force des frappes des FARDC. Ils sont en train de multiplier les stratégies pour contourner. Mais sur les fronts directs, pour qu'ils passent, pour qu'ils avancent, c'est compliqué pour eux. Ils n'ont pas réussi à Kanyabayonga. Jusque là, Kanyabayonga n'est pas sous leur contrôle. Ils n'ont pas réussi à prendre Sake. La seule grande entité qu'ils ont récupérée, c'est Rubaya. Et à Rubaya, je vous assure, aujourd'hui, il y a les dessous des cartes avec la chute de Rubaya. Il y a eu des trahisons là à Rubaya. Parce que les militaires, les milices qui étaient là, nous ne faisons pas confiance aux milices qui occupaient Rubaya. Parce que c'est inacceptable de voir les militaires rwandais venir et prendre le contrôle de Rubaya au moment où il y avait des milices, des miliciens qui étaient là-bas, entrés de faire la loi à Rubaya. Et là, moi, je suis en train de voir une complicité de toutes ces milices avec l'armée rwandaise. Et je vous assure, c'est connu de tout le monde. Et les enquêtes devront suivre pour que nous puissions savoir avec qui nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Parce que parmi les Wazalendo, je vous assure, il y a les vrais et les faux. Et parmi ces faux Wazalendo, moi, je vous assure, il y a ceux-là qui ont contribué à la chute de Rubaya. Voilà pourquoi Rubaya est aujourd'hui entre les mains des rebelles. Parce que nous connaissons tous, il y avait des fractions qui occupaient Rubaya. Et ces fractions étaient là en train de mener des combats entre elles pour que l'une occupe justement la totalité des Rubaya. Et là, c'était des milices locales qui les faisaient. Et parmi ces milices, une a été fragilisée. Une autre qui faisait la loi
Et c'est avec cette milice que Rubaya a été récupéré par les militaires rwandais. Donc, c'est vrai, nous sommes en train d'avancer pour récupérer Rubaya. Et nous avons aussi besoin des vraies explications et comprendre comment est-ce que cette entité a été tombée entre les mains voilà, des militaires rwandais. On le saura, le temps viendra. Alors, l'ère est maintenant à une concentration de tous nos efforts pour que nous puissions finaliser avec ces agresseurs. Mesdames et messieurs, j'ai parlé de cette situation avec João Lourenço. João Lourenço, lui, joue pleinement son rôle. Mais la diplomatie doit aussi tenir compte des revendications des uns et des autres. Jusque-là, Kigali dit toujours, Kagame dit qu'il est prêt à rencontrer Tshisekedi, mais Tshisekedi pose une condition. Et on doit étudier cette condition. Et elle est faisable. Parce que les experts des Nations Unies nous ont parlé de la présence des militaires rwandais sur le sol congolais. Ça, ce n'est plus un secret pour personne. Et quand on présente ça à João, João doit aussi expliquer à Kagame, lui dire, retirez tes militaires. Bien que Kagame continue toujours à les nier. Et s'il ne veut pas, nous allons poursuivre avec les affrontements. Nous allons poursuivre. Les FARDC et les Wassalendo vont continuer toujours à pacifier la partie est du pays en chassant par force les militaires rwandais qui sont sur le sol congolais. Ça, nous allons le faire. Parce que la diplomatie, elle est là. Mais nous devons tenir compte d'un aspect aussi très important qui est l'option militaire. Parce que l'option militaire, nous comptons beaucoup plus sur cette option qui va jouer, qui sera en train d'y aller d'égal à égal avec l'option diplomatique. Ça, c'est tout à fait normal. Parce que l'option politique s'est aussi manifestée toute cette semaine avec la présence, les séjours en ville de Goma plutôt, de Madame Judith Suminwa, notre première ministre, qui a essayé un peu de rencontrer les différentes couches, mais pour nous, ça reste protocolaire. Tous les ministres qui sont passés ont fait la même chose. Donc, à un certain moment, il faut nous apporter quelque chose de nouveau. Et je ne peux pas, je ne serai pas aussi trop critique vis-à-vis de la première ministre, parce qu'elle a aussi, elle ne fait que commencer, et je crois qu'elle doit se servir de toutes les leçons du passé pour mieux faire actuellement et dans le futur. Pour y arriver, elle doit donc faire toujours la différence. C'est ça, mesdames et messieurs. Nous avons besoin de quelque chose de différent par tout ce qu'on a vu la fois passée parce que ça ne nous a pas rassurés. Mais je crois bien qu'il y a une fermeté côté gouvernement congolais par rapport à la pression de Kigali. Parce que Kigali veut encore que les Kinshasa négocie avec les M23. Mais nous ne considérons pas les M23. Nous savons tous que c'est les militaires rwandais qui sont sur le sol congolais. Et c'est comme ce sont les militaires rwandais, nous devons plutôt discuter, pas négocier, discuter avec Kagame pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils font dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est le plus important et moi je crois que nous sommes sur une bonne voie. Déjà, le fait de ne pas céder, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et puis, le reste, on doit suivre ça avec beaucoup d'attention. Mesdames et messieurs, vous allez donc comprendre que ça va continuer, ça va toujours nous intéresser parce qu'il y a aussi une nécessité de nous voir terminer cette guerre avec beaucoup de stratégies, terminer cette guerre avec beaucoup de courage. Bravo au FARDC, bravo aussi au Wazalendo. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission. On va se retrouver déjà pour terminer ce week-end aussi, justement. Avec la même détermination, avec de nouvelles informations sur Congolais Télévision, contactez-nous au plus 243 9 98 72 43 14. Plus 243 9 98 72 43 14. Nous sommes Congolais Télévision, toujours à votre compagnie. Jenny Ntwali, la semaine, on va la terminer ensemble avec vous pour vous faire part toujours de toutes ces nouvelles. Ça, merci. Hapa tuko mlima ya Rukara, tuko tunapanda Rukara pamoja na General Mika. Hapa tunapanda Rukara kabisa, tuko tunapiga adui, tuko mu operation. Merci mo General Mika, felicitation na kazi. Pole na safari, pasi na kazi. Antuka majeshi, msichoke kupanda milima.
Hao jinga tutawaondoa. Kuna problemi tutawaondoa, kuna shaka.